Re-bonjour à tous. Bonjour, vas-y, C'est présente. Romano et Poix. Eh, salut. Et c'est moi, Enchanté. Poix, Moi, je suis Romano. Enfin, gros Mano. J'ai pris un coup de hein. poids. Oh! Il a raison. Après un gâteau au chocolat. Donc, après une longue pause et un long repos, une longue méditation pour De 10 minutes à... à peu près après une... avoir bu, en fait, du soda. C'est notre C'est revivifiant. pas mon... Non. Non, c'est pas ton anesthésiant. Non, non, Bon, non, non, c'est bref. bon. Elle est mal partie cette année 4, Ouais, hein. mais bon, ça va être une hécatombe, un hécatombe, une année hécatombe. C'est Voilà, j'avais fait avant l'enregistrement. Ça sent le réchauffer de quoi? À la cuisine, femme, va réchauffer des trucs. Je rigole, je rigole! Voilà. Ouais, je vais me faire ma propre pizza, je vais mettre Izumitsu. Donc on est là pour l'année 4, donc on va recharger la dernière partie et on va espérer que ça va mieux se passer que l'année 3. Non, l'année 4, autant de logique que François Hollande a de charisme, donc ouais. Elle était marrante cette blague, non? Non, Non, parce bon, que c'est ça fait pas grave. encore peur, encore plus peur maintenant. Allez, c'est parti! Donc on a vu que notre ami il est tombé parce qu'il est con, c'est ça? Non, 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 Merde, j'ai pas non! vu ce qui s'est passé en Mais fait. ils vont te l'expliquer, Ah, je peux te d'accord. le spoiler si tu Non, veux, non, ça je. va, on va découvrir. Donc on a encore 10 000 endroits où aller, évidemment, hein. On a Viens, en tout en haut, bas. tout en bas. Tout en bas. Il Il les a trouvés où, ces vêtements, au fait? T'as était vu, voir un je pose russe. des super questions à Oh, chaque fois. Vratis adorerait cela. Le cercueil? Qu'est-ce que c'est? C'est plein de cercueils. Allô? Ouh, Non mais allô, quoi. ils sont vides. C'est plein de cercueils. On va refaire T'as un celui-là. cercueil et t'as même pas de mort, non mais... Attends. Ça ressemble à une livraison du DDM. Vivement la pause, ces escaliers sont raides. Bruno? Bruno Martinez? Encore? Il est tout le temps, Oh, lui. c'est vous qui m'avez enfermé là-dedans. Au moins, vous auriez pu me filer un magazine. 4 années sans rien d'autre à lire que ce qu'il y a sur cette tasse. Merci pour la Qu'est-ce que tasse. vous faites ici? Et si vous saviez que vous veniez par ici, pourquoi vous m'avez pas proposé de vous accompagner? Je me tire parce qu'ici on prend les gens pour des poires. Je Quel confirme. excellent ce... Ouais. Ok. Je le boirais bien, mais je n'ai pas envie d'une moustache à la mousse. Un petit succès déverrouillé, ça fait plaisir. Hop. Allô? Ouh, ils sont vides, fermés. Ils ont peut-être peur du Yeti. Je ne prends pas ça. Je pense que t'as plus rien à faire en bas. Fermés. Ils ont peut-être peur du Yeti. Attends, on peut aller vers là-bas. Moi, c'est pour venir là. On est arrivé par cette route. Par là, il n'y a que de la neige et une très bonne paire de lunettes de En gros, il soleil. y avait juste pour avoir la tasse et voir le mec là. Un Ah! pépin? Monte voir, pas toi-même! Hé! Où sont-ils tous passés? Zone d'attente 2. Combien de temps doivent-ils attendre là? Jusqu'à ce qu'ils aient des billets. On leur en avait donné pour le numéro 9 Express, mais ils ne les ont plus. La sanction pour la revente de ces billets est très très sévère. Mais ils ne les ont pas revendus! Leurs billets ont été volés! Par qui? Hector Lemann les a volés pour les revendre à des riches qui ne le méritaient pas! C'est peut-être eux maintenant. Voyons un peu ce qui les attend. Enfin, le train pour Poudlard! C'est le train pour Poudlard! C'est Drago Malfoy, ça. Oui, lui, de toute façon. Oh. Waouh! The Tuning. Donc ça, c'est ceux qui vont en enfer. Ouais. Enfin. Ouais, qui ont pas mérité leur... Enfin, qui ont volé leur billet, qui ont... Ok. Je peux me parler encore? Qu'est-ce qui est arrivé à ce train? Ta destinée ne peut pas s'acquérir. À ce train-là, on va pas avancer. Tu sors. Je sais que je suis chez toi, mais tu sors. Je ne comprends pas. Pourquoi ont-ils tous été retenus? Les âmes ne peuvent pas revendre leurs billets. Ils n'ont pas vendu leurs billets. Quelqu'un d'autre s'en charge. Pas de billets, pas de train. Les billets sont à elle à la moelle. Comment s'y rendre On va rapidement? y aller à Ces SNCF avant. rails sont déjà en place. Eh bien, merci pour votre aide. La barrière s'ouvre. La barrière se ferme. On n'y peut rien.
Attends, c'est quoi si tu le regardes? Je veux savoir ce qu'il est. Il a l'air un peu ringard, mais il doit tenir chaud au crâne. Bon, okay. Va à l'intérieur pour voir ce qu'il y a. C'est la salle d'attente, je pense. Donc là, c'est la porte où on vient. Mm-hmm. On a les rails et tout ça. Là, c'est la gare. Et là, t'as vu, c'est le même dessin que sur. Je sais plus. Que sur le temps du chargement. Ah, sur la pochette du jeu. Okay. J'ai pas la pochette du jeu. Et qui était très belle. Oh, ça, je l'avais pas vu, tu vois. Oh, ça recommence. Oh, putain. Il marche dans l'eau encore. Comment t'es-tu libéré? La libération, c'est ma devise. Comme personne ne m'a donné de billet, on ne risque pas de me le voler. Qu'est-ce que vous faites dans les parages? J'ai décidé de tourner un peu dans l'autre sens pour retrouver un équilibre. Je dois mettre mon ancienne vie à plat avant de partir vers la nouvelle. Comme ça, ça ira. Au revoir, Chipito. Bonne route, Capitaine. Et merci encore de m'avoir aidé à retrouver le bon chemin. Cette petite lumière à moi, je la veux qu'il flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qu'il flamboie. Jusqu'où elle nous aura fait chier. Cette petite lumière à moi. Fais-toi renverser par un train. Qui flamboie, qui flamboie. Et du coup, il y va à pied dans le 9e. Oui, la cacher sous. Oui, le train. Non, car il faut qu'elle flamboie. Tu peux y aller à pied. Bonne route, capitaine. Ça, tu vois, ça fait partie des scènes que j'avais pas vues quand j'avais joué plus jeune. Pourtant, j'ai terminé plusieurs fois. Et en fait, ouais, c'est... Tu vois, je pourrais très bien le faire. Je pourrais à la seconde quitter ce monde sans me retourner. Non, je ne peux pas. Non, je ne partirai pas sans ceux que j'ai promis de sauver. Oh, tiens, mais... Tiens, je découvre le truc et tout, trop fort. C'est moi, ça. Quoi, cet accent de merde? Maqué. Allez, quoi, avec Madame Moreau. Maqué. Maqué, Lélé. Ça, c'est une fontaine cendrier, en fait. J'aime beaucoup l'utilité de mes commentaires, je sais pas si tu as remarqué. J'ai remarqué, c'est pour ça que je ne dis rien en fait. Faut que tu m'invites plus souvent quoi, pour que je fasse des analyses de qualité. Là, y a pas grand... Tous les cas, y a... J'ai l'impression que ce genre de réglage n'est pas dans mes compétences. Comment ça? Ce n'est pas que j'ai peur, mais il doit y avoir un moyen plus facile. Récemment, j'ai eu la visite d'un oiseau avec une tête d'homme. Oh putain, ce genre d'oiseau, il s'est flippé, il m'a flippé. Non, comment savez-vous, Mo? Il te connaissait, et c'est pour toi qu'il a laissé ça. Mo. Je sais ce que tu manigances. J'étais observé. Reste où tu es, je viendrai te germer moi-même. Amitié, Hector le main. Híjole. Ça sera une preuve pour plus tard. Non, je l'ai déjà. Donc attends, on va se barrer, on va aller à l'autre endroit que j'ai pas pu aller, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Depuis quand ce vénéré démon n'a-t-il pas conduit? Ça fait des mois que nous marchons. Des mois? Des mois? Dans ce cas, le vénéré risque de... Oh non! Mais... Ah, il s'est évanoui? Glantis, je suis désolé. Mani! Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais malade? J'étais lancé. Il faut sauver tout le monde. Tu souffres beaucoup, mon ami. Seulement parce que je t'ai laissé tomber. Oh, il est trop gentil. Qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il un remède? Il me faut rouler, voler, comme au bon vieux temps, Mani, sur le Bolidos. Mais le Bolidos n'est pas ici, carnal. Peut-être le retrouverai-je de l'autre côté. Et si on se construisait un bolide? Ce temps est loin, Mani. Plus de bol. Et c'est quoi ce truc rouge? La cabine? Quelle belle décalcomanie. Écoutez, les gars, quelqu'un a-tu un crayon? Ça y est, mon œuvre finale. Wow. Ça peut me sauver si vous avez le bon. En fait, ça. Le bon carburant. Quel carburant, Glantis? En fait, non. Je sais pas si on avait déjà parlé ensemble par rapport à Tim Schafer et dans Brutal Legend, justement il y avait plein de véhicules et plein de trucs. L'univers me faisait un peu penser à Grim Fandango. Bah, il a vraiment un univers particulier, surtout sur les bolides. Dans Full Throttle déjà, il y avait déjà un peu. Rien que le bolide qu'on voit là, il me fait
presque penser à un truc de ta légende, le bolide de ouais. base que t'as. Et avant ça, il y avait Full Throttle, où je crois que Tim Schafer était dessus également. Oui, oui. Et qui était bah, ouais, la route également. Et le... Mais qu'est-ce qu'il a ? Vous ne connaissez pas le seul but, la seule spécialité, le seul désir de cet humble esprit. Si, mais nous avons quitté les voitures et la civilisation depuis si longtemps. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il quitté sa patrie ? J'ai été viré, alors. Il me fallait un chauffeur. Oh, Glantis, tout cela est de ma faute. C'est-à-dire que le doublage, il est vraiment beau. Vous hein. pouvez le guérir. Jeu, il est en fin de temps. Pour le guérir, il lui faudrait un engin tout à fait exceptionnel. Il a besoin de vitesse. Plus vite. Il est mignon. J'ai un peu exprimé. Ah, oui, le grappin. C'est possible, hein, effectivement. Salut, Zarapulo 96. Ouh. Zarapulo, c'est voilà. Pull au vert, non. Non. Il était dans le magasin avec Zara. Oui, pour acheter le Zarapulo vert. Ouais. Zarapulo vert. 96. Oh putain. Non, mais sérieusement, là. Et là, il a vu. Désolé pour cette blague. Et salut, toi aussi. Et ça, salut à toi. Avez-vous ici des véhicules de ce genre qui pourraient le ranimer ? Seuls les wagons qui livrent les armes. Mais ils sont lents. Si lents. Ce. J'avais en tête aussi. Mais qui êtes-vous ? Nous sommes des mécanos. Tout comme lui. Mais chez nous, les mécaniciens ne sont jamais aussi imposants. Ça, on partage que le même esprit, heureusement. Car il est vraiment très faible. Mais c'est pas vrai. Il faut que je trouve quelque chose. Revenez vite. De carburant, on a besoin. Glottis, ça t'intéresse On dirait les plans d'une fusée de labo. Bon travail. On dirait les plans d'une fusée de labo. Bon travail. On peut pas lui parler, par contre. Une petite balade, ça vous dit, les enfants ? Il est trop gros. Le wagon est trop lent. C'est pas vrai, je suis pas trop gros. Les articulations n'ont pas besoin d'être huilées. Ah, il y avait des trucs... Pas grave, est-ce que étrange. Après vous allez changer de jeu ou pas ? Ils cadenassent leurs outils tout comme Glottis. Pas grave, après est-ce que vous allez changer de jeu ou pas ? Ben, on va faire déjà, finir le jeu. On va finir ce jeu-là et après on va manger surtout. On va aller manger. Et après on le recommence tout depuis le début. Allez, on est... en une seule nuit. Hein, quoi que sur nous maintenant ? Mais pas grave quoi en fait ? Hein ? Non, rien, c'est pas grave, ah ouais. Ok, on a une tasse. Et regarde ce truc fait... Attends. C'est la tasse que j'ai donnée à Bruno, elle est pleine de mousse d'emballage. Tu te rappelles de la mousse d'emballage du premier monde ? Oui, c'est un truc... explosif. Ok, bah merci. Mais ouais, j'avais oublié que c'était explosif. Hein. Donc on peut pas ouvrir les tiroirs toujours, on peut pas qu'il y a un truc intéressant. Oula. Et on peut pas faire un truc avec ça. Je sais plus, on va quand même tout regarder. Alors là, il y a des choses à ramasser. Ce râtelier devrait être coté en bourse. Ah mince ! J'ai pas du tout pensé à ça au départ. Je déteste quand les gens ne lavent pas leur tasse après la pause. Je n'ai pas de tasse à accrocher. Donc là, on récupère la tasse. Ok. Ce n'est pas un endroit pour une tasse. Je comprends rien du tout. Attends, tu mais si la je tasse, fais ça... Peut-être. Ah, mais il veut pas la boire, il a dit. Non, attends, je dis toi, je déteste quand les gens ne lavent pas leur tasse après la pause. C'est bon. Allez, reprends ça, pour l'instant, on verra après. Alors, le tiroir. C'est plein de chiffons. Bah, prends-en un, tiens. Pourquoi ? C'est toujours utile d'avoir un chiffon propre avec soi. Salut la node. Salut la node ou Yanode, je sais pas si c'est un I majuscule ou quoi. Ah oui, c'est peut-être un I, Yanode. Pour Yann et node, parce que ça fait classe. Voyons voir le message. Ta mère ne vient pas faire le ménage ici. Comme personne n'a prêté attention à mon avertissement sur la propreté du frigo, je me vois contraint de le cadenasser pour cause d'immaturité générale. Signé, le chef de l'équipement. Ta mère ne vient... Je me vois contraint de le cadenasser pour cause d'immaturité générale. Donc là, on a ça aussi, mais... Regarde le grille-pain. Il y a un grille-pain ? Yanode, donc c'est bien Yanode. Ok. Donc, on a un truc à faire avec la tasse, en tous les cas. Regarde le grille-pain. Mais il est où, son grille-pain ? Mais il est caché par Manuel. Ah, mais putain, d'accord. Il y a une note sur le grille-pain. Pour éviter tout désagrément, vous êtes prié de beurrer vos tartines après les avoir grillées. Merci. Mmh. Utilise-le. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En fait, tu me dis ce qu'il faut que je fasse, c'est ça ? Mais attends, je t'ai rien dit du tout. Ça, c'était quoi ça déjà ? Le chiffon. Ok. Je pense pas qu'il fallait se mettre ça dans le grille-pain. Non. Juste pour un truc. Je vais faire exploser le grille-pain ! Pas un endroit pour une tasse. Okay.
Peut-être avec le chiffon, ou il faut imbiber le chiffon, peut-être, tu sais, pour... Enfin, le truc, c'est de trouver un carburant, en fait. Donc, faut trouver un carburant assez, Je déteste quand les gens ne lavent pas leurs tasses après la pause. Pas possible. Et ça fait plaisir de faire ce genre. En tout cas, Yannod, merci pour ton message, et heureux que tu nous suives et que tu nous regardes. Ouais, mais... Enfin, que tu regardes le jeu plus que nous. Parce que franchement, on adore ce jeu, Ouais. Pas envie de faire le ménage. Non. Ah. Ah, si. Si. On met un chiffon. Le bonheur, c'est simple comme un lit douillet. Je pense qu'il faut rajouter et un bonjour, beau ça. Chiffon. Bonjour, beau chiffon. Attends. Ça donne quoi si on regarde le... Moi, je pense que... Tu sais, il y a... Ouais, c'est un beau chiffon. Moi je pense qu'il y a de la graisse dehors, donc peut-être que si tu le graisses avec le court-circuit électrique et que ça rebondit sur la tasse, envie de faire ça le peut ménage. Exploser en fait. Ça rebondit sur la tasse, faut que je laisse la tasse comme ouais, ouais. Regarde, va dehors. Enfin, je pense, hein. T'as le bidon là. Ok, on va sauter. J'ai découvert cette semaine en anglais, faut que je l'installe. Ah, oui. La version anglaise est très bien aussi, mais franchement, c'est un des rares jeux où on a une très bonne version française. Généralement, je suis plutôt réticent sur les versions françaises. Ouais. Je trouve que ça gâche le jeu. Mais celle-là, il n'y a rien à dire, c'est des belles voix et c'est du beau travail quoi, de LucasArts, c'est toujours très travaillé, à tous les niveaux, tu vois. Ah, oh putain. Qui y avait-il dans cette tasse? Quelque chose d'aussi puissant pourrait allumer une fusée. Il en faudrait plus. Je pourrais vous en livrer quelques camions si ça vous intéresse. Nous allons te tirer comme une flèche dans le vent. Puisses-tu percer le cœur et boire le sang de l'air. La vitesse est la nourriture du grand glottis. La vitesse te ranime. Reviens oh putain. Nous voir un jour. En fait, j'avais pas grand chose à faire pour le train à part ça. Parti pour un petit tour en train. Je l'ai trouvé en français, mais je l'ai découvert sur Twitch en anglais. Ah bah oui, il y a beaucoup quand il est sorti. Il y a pas énormément de français qui faisait ça. Il est sorti il y a longtemps, mais c'est une bonne chose qu'il est remasterisé. Oui, mais il faut qu'il fasse ça. Ah, ouais, c'est vrai, ça permet de redécouvrir des très bons jeux. Je pense qu'il tiendra jusqu'au bout. Je quand j'étais tout petit, du coup, ça fait plaisir vraiment de le. Enfin, je crois que c'est ça a toujours été mon jeu préféré, quoi, vraiment. Je crois que c'est vraiment des plus beaux de LucasArts et. Oh, dommage. Okay. Bien tenté. Game over. On y est quand même. On est arrivé quand même. Oh non, pas la ville, s'il vous plaît. Si. Elle est trop grande. Rubakava 2. Ah, Rubakava, quelle ville. Tu te rappelles le bon vieux temps, hein. Justement. C'est du passé, l'ami. Il n'y a plus rien qui nous intéresse ici. Sauf peut-être notre vieille voiture. Oh, Dios mio. Elle a été... On est piégé. Par qui? Qui est... on touche? Non. Ouais, vas-y. Je refuse de descendre là. Le moindre choc pourrait faire tomber ces dominos. Bon. Bon, je connais la solution et je tiens juste à dire qu'elle est magnifique. Mais est-ce que il faut faire d'autres trucs ou c'est directement là la solution? Non, il faut faire d'autres trucs. Ah bah c'est bon, alors je peux me barrer. Oui. Ouais, ça va. Donc là, il va falloir se promener un peu partout, j'imagine. Je te laisse faire. Ça, c'est pour... je sais pas s'il va vouloir. C'est pour aller de l'autre côté. Apparemment, l'entretien laisse à désirer dans ce port. Ah. Je vais aller de partout. Ça fait... C'est vrai que je me souviens même plus si... C'est bouclé, mais de toute façon, il n'y a rien. Ça mène au quai supérieur. Mais aucun navire ne s'y trouve maintenant. Si on retourne là, quand on redescend... Je me rappelle ce qu'il y avait ici. Il n'y a rien de spécial. On va descendre. Là. Est-ce qu'il dit qu'il faut faire un truc? Ou est-ce qu'on peut y aller déjà? Donc... On va voir notre tatoueur? Oui. Ah. Je pensais que cette ville, je l'avais laissée derrière moi. Putain de merde. Encore ça va, on a un truc en moins à faire avec le pont là. Non, je crois que c'était une des parties les plus. Enfin, un des moments les plus durs avec le casino et tout. Parce qu'elle était vraiment très très grande. Je ne tiens pas à réveiller Toto.
pour raconter des blagues. Ça craint quoi? Ferme ton clap. Je ne prends pas ça. Allô, l'opératrice? Oui, c'est moi, Manny. Je n'ai pas eu un moment à moi. Elle m'en veut encore. Ferme ton clapet. Je ne tiens pas à réveiller tonton. Bah, somme-le. Non, je ne veux pas le déranger, surtout s'il est en train de rêver. Qu'est-ce qu'on a? On a un truc à faire, là, au moins. Je ne prends pas ça. Pas piquer le truc sur lui. Pas de ma faute. Je ne tiens pas à réveiller tonton. Je ne tiens pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que j'ai ce qu'il faut, moi? Non, regarde. J'ai une fente. Ferme ton clapet. Ouais. Ah, pardon. C'est quoi? On ne braille pas. Voir ce que c'est. Regarde l'objet, ouais. Azote liquide, évitez tout contact avec les os. Ne bouge pas. Aïe. Voir un truc. Il ne doit pas y en avoir. Il n'est pas la gaspiller. Donc est-ce qu'il y a un tu truc à faire d'autre? Tu as demandé un lapin. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je ne vais pas la gaspiller. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bon. Bah, vu que... Est-ce que tu peux ouvrir le frigo? Ferme ton clapet. Je ne tiens pas à réveiller ton nom. Je ne prends pas non, ça. Non, il veut pas. Ok, non, je pense que c'est bon. Bon, on va. On verra bien. Tu as déjà fini combien de fois ce jeu en tout? En tout, une fois, puisque mon CD4 ne marchait plus. Ah! Ce qui m'a beaucoup, beaucoup attristé. Donc deux fois, je pense. Mais en tout cas, je suis arrivé avant l'année. Avant l'année 4, quoi, ouais. Qui est... L'année 4 est assez compliquée, effectivement. Ah, là, ça va, mais surtout Manuel la fin. Oh, c'est trop dur. Et qu'est-il arrivé au limbe? Je suis désolé, Velasco, mais il a sombré à la perle. Mais on a trouvé un nouveau bateau, le La Mancha, et on a réussi. Le La Mancha? Mon vieux rafio pourri! Où est-il? Eh bien, on l'a échangé à Puerto Zapato contre des chiens de traîneau. Bien joué! Je m'en vais de ce bled malfamé. Mais... Merci de l'avoir ah, retrouvé. Ah, la petite bouteille, on va la récupérer. Puerto Zapato! Elle faisait de l'œil, là. Malfamé? Je vais peut-être finir ça pour lui. Si je la bois, le limbago se coincera probablement dans ma gorge. Alors, attends, si on ouvre et quand il y a ce qui est spécial... On penserait qu'après 2 ans, il aurait au moins installé des canaux de sauvetage. Ok, donc là, il n'y a peut-être plus grand-chose à faire. C'est fermé, c'est fermé. Bah là, je pense qu'il y a tout aussi, il n'y a pas grand-chose, hein, de toute façon. Mais si tu devines la solution surréaliste pour... Enfin... Attendez, comment il faut faire pour neutraliser les dominos Franchement, non mais c'est je, beau, je vais, c'est beau. Je te dis pas, mais c'est beau. Je vais bien me promener. On va essayer de trouver des choses à prendre comme je veux. On va essayer de voir déjà ce qu'il y a. Caveau bleu. Caveau bleu. Ok, bon déjà, il n'y a plus grand monde. Hein. Ah, on peut encore chanter. Pour ça, il... Moi... Olivia. Oh, pardon. Vera, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai su que tu avais fait chou blanc à Zapato. Disons que Le Mans a essayé de m'avoir, mais il a loupé son coup. J'y retourne à elle à la moelle pour lui régler son compte. Les choses ont changé ici. Tu ne sais pas dans quel guépier tu vas te fourrer. Je vais t'accompagner. Laisse-moi juste le temps de m'apprêter. D'accord, mais si tu entends une explosion, ça veut dire que le voyage est annulé. Ok, on va voir. Donc là, il y a la cuisine. Oh putain, on voit pas grand chose. Alors je récupère une assiette. Je refuse de m'en servir. Dès que j'aurai une idée pour recycler ces déchets, je tenterai le coup. Donc ok, on a ça. Voyons. Éclat de cercueil 1, 2, 3, servir bien frais. Rappelle de l'éclat de cercueil? C'était quoi déjà? Le truc qui faisait soit tomber dans les pommes, soit. Qu'on a donné. La boisson. Qu'on a donné au mec qui se faisait tatouer, là. C'est ça. Ah oui. Ça me tente, mais je déteste. Je vais éviter la hernie. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. Donc, bon. Mais, attends, comment on fait pour ouvrir le tonneau? On n'a pas un nouveau tonneau, normalement? Avec la faux, peut-être, non?
Donc ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin... Pas ici. Et c'est la bouteille. Si on peut en prendre, tu vois, ça peut être pas mal. Attends. On va tout essayer, de toute façon. Ah oui, d'accord, oui, mais il a le truc, il... Je comprends, tu veux décorer le stand de la délégation maritime. Eh oui. On va en voir maintenant quand on regarde l'objet. Je comprends, tu veux décorer le stand de la délégation maritime. Il y a rien d'autre à faire là, j'imagine. Non. Bon, et je me barre sans elle. Je me barre, je suis dans un bar. Ah, je suis fier de moi pour ça. Tu vois, je suis d'en face, tu fais de la barre parallèle. Oh, c'est bon, c'est bon. Putain, par ce toi. Phare avec les abeilles qui font la grève et tout. C'était la misère, c'est ça. Quoi c'est pas bon signe pour le mouvement ouvrier de Rubakava. Ah oui, c'est vrai, le phare. On va y retourner. On va voir si y a notre ami. La pauvre. Oui, j'adorais cette fille. Ok. Oh non, monte. Oh Lola. Ah, et puis c'est que c'est déverrouillé. Bon, y'a plus rien par contre. On peut rien faire là. Bon, c'était juste pour faire le succès en fait. Ouais. Ok, j'ai eu un succès. Oh Lola. On se rappelait de Lola. La pof quand même. Oui. Oh putain. Bah, elle a germé. Elle lui dit qu'elle venait de lui annoncer qu'elle l'aimait en plus. Oui, attends, là y'a quoi? Je crois que ça renvoie au. Ça va vers la morgue? Ah non, là tu vois. Continue ici. Donc là, bah, on n'a pas beaucoup de choix. Hein, donc là, tu es déjà allé. Ouais, c'est le donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille ici. Ah. Tu vas voir ton ancien calavera club. C'est fermé. Ah c'est fermé. Pardon. Donc en gros, on a tout là. Si j'ai pas, me suis pas trompé, on a tout. Donc on devrait tout avoir pour si j'ai oublié quelque chose. Bah, pour l'énigme là. Tu as tout. T'es sûr? Certain. Donc, non, en fait, elle est... faire. Mais si tu trouves, honnêtement, moi je te dis bravo. Hein. N'empêche, elle est bien cette ville comme ça. Comme ça, ouais. Elle est bien, il y a moins de choses. Elle est moins compliquée, hein, effectivement. En tout cas, pour appuyer, on a que là. Mm-hmm. Donc, voyons voir. Je crois que c'est une des scènes préférées de. C'est une de mes scènes préférées du jeu. Hein. D'accord. Vraiment. Alors, on a un mot. Ça m'étonnerait que le mot serve à quelque chose, mais on sait jamais. Arrête de t'excuser. C'est qui s'excuse? On s'excuse. Ah non, parce qu'on est en retard. On s'excuse de dire des blagues pourries en fait, je crois. Ah d'accord, oui. Donc on a ça. Azote liquide, évitez le contact avec les eaux. On fout, j'utilise. Ça va s'évaporer tout seul. Eh oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je ne vais pas la gaspiller. Ok, je vais pas la gaspiller. Ok, imaginons je prends ma bouteille. Je tente des trucs. Pas vraiment envie de faire ça. Je bois. Si je la bois, le limbago se coincera. Je refuse de descendre là. Le moindre choc pourrait faire tomber ces dominos. Est-ce qu'il y a autre chose autour? Je vais pas regarder autour. Ensuite, on va tenter. Là, tu as tous les objets. Tu peux. Franchement, tu peux résoudre l'énigme là. Attends, mais il y a aussi le menu. On ne fauche pas les démons. Ils sont en amis en plus. Je ne veux pas abîmer ma lame. Je refuse de descendre là. Le moindre choc pourrait faire tomber ces dominos. Ça fait longtemps que vous twitchiez, c'est-à-dire, est-ce que tu parles de la journée ou en général? Ça dépend, la question. On va lui parler quand même. Panique pas. Je crois que mes mains tremblent trop pour ce genre de choses. Ces dominos sont... Je refuse de descendre là. Le moindre choc pourrait faire tomber ces dominos. Bah tu les enlèves un par un. Moi je ferais pas ça, surtout avec les kilos dynamiques qu'il y a. J'ai intérêt à ne pas laisser traîner ce petit message. Ok. Je sais, ami, je refuse de descendre là. Oui, j'ai compris ça. Pourrait faire tomber ces dominos. Non, non, mais attends, il y a un. Ah, mais attends, sur lui-même, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça il veut pas. La fourre, j'ai envie de faire sur moi-même. Tu vas te faucher toi-même? Oh, ouais. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. Ah, mais attends, et cet endroit-là. T'as même pas à sortir. Ah, putain. Non, ça se règle juste là. On dirait que mais comment il a dû le faire la dernière fois qu'il a traversé la ville. En général, ben, je dois twitcher depuis 2011, mais après, je suis pas non plus un grand twitcher. Hein. Si, tu twitches beaucoup, surtout quand on joue ensemble. C'est vrai.
Un truc. Ouais, allez. Attends, un truc que je comprends pas. Bon, ça, je comprends pas. Ah, mais moi, c'est la première fois que je Twitch. Azote liquide, Twitch. Évitez tout contact avec les autres. Ouais. Mais tu aimes me twitcher, putain. Alors, si ça, il veut pas. Ça va s'évaporer tout seul. Ça va s'évaporer tout seul. T'as dit que je peux tout faire. Alors, le truc, c'est que par rapport à un truc qu'on peut toucher. Non, il faut que tu penses comme dans un jeu qu'aurait écrit Tim Schafer. Faut que tu penses dans un jeu LucasArts. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu penses logiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sachant qu'on a de l'azote liquide? L'azote liquide, c'est un truc qui refroidit le liquide. Et ouais. Qui devient glace. Et bah, je te laisse à partir de là. Ouais. Je suis tellement nul au jeu comme ça. Mais Mani, il nous sert à rien, juste ça. Mani. Lotis, Mani, je sais pas pourquoi. Il nous sert à rien. Ah, il faut que je tente des trucs avec lui. C'est quoi, je vais tout lui donner à chaque fois. J'ai suffisamment mis son estomac à contribution. Je vais tout tenter avec lui, tiens. Bon. Tant pis, allez, je vais tenter avec Lotis. C'est... Ouais, j'aime bien. C'est quoi? Ah, limonade lumbago. Bois donc. Ça va être voilà quoi? Un apéro plutôt musclé. Pour mes aïeux, pas mauvais du tout. Dis-moi tout de suite où tu as trouvé ça! Dans la cuisine d'Olivia. Limonade! Lumbago! Mani, ne sommes-nous pas pressés? T'inquiète pas, ce sera pas long. Mon estomac a perdu de son élasticité. J'ai peur! Oh, Glottis. Parler pour ce qui se passe. Oui, tu peux... Ah, il a vomi. Ah, j'adore cette scène. Tu peux lui donner un coup de pied au cul, non? Ah. Belle démonstration. Tu n'aurais pas un bonbon à la menthe par hasard? C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique! Plein de vomi de démon. Non, pas question que je fourre ma main là. Ok. Et maintenant, on prend notre azote. Exact. Oh putain! Oh la puissance du truc! Hey, bonne idée. Je parie que je peux le coincer maintenant que c'est froid. Tu me laisses d'abord traverser, Dak? Ok. Il y a les explosifs. Ouais, je pense qu'il faut d'abord enlever les explosifs. Attends, je vais juste m'y approcher. J'adore le bruit. Bon, il n'y a rien là-dedans. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je veux merde, j'aurais pas dû appuyer, ça explose. Bon, maintenant, c'est là où on va en chier. Désormais toute la ville. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Seul un petit groupe s'oppose à lui. Des types qui vivent à la périphérie de la ville. Mais d'accord. Pas mal. Un endroit comme celui-ci. J'espère qu'ils ne font pas de mal à Glottis. On voit que tu ne les connais pas. Leur chef est un homme génial qui... Manuel Calavera, comment se retrouve? Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu tombes au bon moment, car nous aussi nous sommes sur le point de réussir. Notre armée s'est agrandie, et nos meilleurs agents sont dans le labo de munitions de Le Mans, prêts à confondre l'ennemi dans son propre repère. Je n'y serais pas arrivé sans toi, Manuel. Ils m'ont eu! C'était un piège! Écartez-vous, il n'y a qu'une chose à faire. Ok. Merci, chef. Vous m'avez sauvé. Mais plus encore, vous m'avez permis de continuer à servir notre cause. Et il a coupé vieux endroit avant que... Ouais. Hector a démasqué notre agent dans son labo. Non. Bosley, triple idiot! Ton nouveau laborantin est un espion! Tu sais ce que c'est qu'une vérification en profondeur? Ça fait un beau cadre! Quoi? Pas le temps d'expliquer. Je dois prendre les choses en main personnellement. Emmène-moi. Ça fait des années que je rêve de servir votre cause. J'aime pas du tout ce tunnel.
c'est une méchante. Enfin, j'en sais rien, hein, mais c'est vrai qu'elle a pas l'air nette. Bon, je pense que cette partie de l'année-là, c'est vraiment la plus sombre, quoi. Et je crois que bien qu'elle soit vraiment très tordue, au niveau de la logique et des énigmes, ça doit être vraiment une de mes préférées, quoi. J'aime beaucoup ce... Ok. Alors, juste un truc, n'hésitez pas vraiment à aller sur ce site-là, c'est Poua, qui est ici, qui fait des dessins. Voilà, exact, n'hésitez textes, pas à y aller, je vais laisser pendant c'est quelques gentil, secondes. Ça. Merci voilà, beaucoup. C'est que en fait, tu me stresses tellement que je vais mettre une petite pause, en fait, tu vois. La pause dessin. La pause dessin, voilà, ouais. Enfin, la pause dessin. Hein, non, non. Non, mais dessin, par pas que je parle. Pâtes, le chocolat, les seins... Non mais trop tard hein. Les seins... Ouais. Bon, bref. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Après, on va dire tout. Pose des seins, oh putain. Alors, Tu vends du rêve, mais... Serait-ce par hasard le petit Manny? Approche, petit Manny. Ils ont toujours fait flipper ces oiseaux. Ça, c'est petite mèche. J'en ai déjà. Ok, donc on a quoi, là? Qui est le pivot? C'est Bosley. L'expert balistique personnel d'Hector Le Mans, alias le fleuriste. Il était fleuriste dans l'Ancien Monde. C'est pas lui qui est dans mais les, ici, c'est un expert en armes botaniques. Il n'assume pas toujours son conflit intérieur. Pourquoi fabrique-t-il des germinators pour Hector et pas pour nous? On essaye de le recruter depuis des années, mais son labo est dans la tour d'Hector. C'est sans espoir. Donc, je sais pas si t'as vu le personnage, mais il est assez peureux, quoi, le... Si je pouvais faire sortir ce botaniste de son labo, je le persuaderais de me fabriquer une arme. Donc il faut le faire sortir de son labo, et donc il faut... Hector, je te prépare un nouveau bouquet de tulipes fait maison. Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Bosley. Tu n'es pas un fleuriste, tu es un fabricant d'armes. Mais je... Ok, c'est la même chose. Hector, écoute-moi une bonne fois... Ok, attends, j'ai une petite pause, hein, Vas-y, moi je parle à tout le monde pour l'instant. Y'a des messages pour moi? Non, tu n'as plus eu d'appel depuis le jour où tu es parti. Mais tu continues de recevoir ton catalogue de lingerie fine. Oh yeah. Note. À tous les agents, ceci est urgent. En raison des disparitions récentes, ordre à tous les agents de ne pas voyager en zone non éclairée. Okay. Note. À tous les agents, ceci est urgent. En raison des disparitions récentes, ordre à tous les agents. Empêchons ces membres de germer. Ah, j'ai récupéré quoi? Un membre? Merci, mon capitaine. Merci, mon capitaine. Qu'il est con. Tu aimerais un os, petit gars? Oh, pas un des miens. Okay. Bouh. À mon métier, on s'habitue à ce genre de choses. Je trouve que ce serait un manque de respect. Je trouve que ce serait un manque de respect. Oh non, pas ça! Ok, on a récupéré un bras. Bon, voici mon plan. J'ai besoin d'un déguisement pour m'approcher des torts. Salut, X-Live! Pour que notre conversation ne sombre pas dans la mélasse. Si tu t'occupes de ça, moi je tâcherai de découvrir où il est. La tour de son casino est directement au-dessus du QG. Ok. C'est bon, on se retrouve là-bas. Ok, bon. Elle n'a pas peur des missions dangereuses, elle serait très utile à notre cause. En ce qui me concerne, ma cause, c'est elle. Donc il avait jeté un truc ici. Je parie que l'agent sur cette photo est le pauvre gars qu'Hector vient de buter. À toutes les voitures, Manuel, t'as des problèmes? Je regarde seulement si ça fonctionne. Tu veux pas arrêter ce truc pour qu'on puisse parler? Le reste est déjà devenu de la graine de fleur. Bon, on a récupéré plein de trucs, on va refaire un petit tour dans... On a donc... Je me demande comment il se débrouille sans son bras. Super, te lève, dommage que tu ne préviens pas sur YouTube, dommage que t'as pas plus de vivre. C'est vrai que sur YouTube, j'avais une vidéo pour prévenir que je faisais des lives, je devrais peut-être la remettre en fait. Oui, je vois qu'il y en a qui viennent souvent, je suis assez content quand même. Et les viewers, bon ben, ça viendra un jour peut-être. Je parie que l'agent sur cette photo est le pauvre gars qu'Hector vient de buter. Ok, donc on a... Je remercie tous ceux qui viennent en tout cas, hein, même si c'est des fois pour me dire que c'est nul, hein, ça arrive. Hein. Je remercie quand même les gens de venir. Ok, donc là on peut... Il y a la flèche, qu'est-ce que... Bonjour, là en bas. Oh,
Désolé, ne vous dérangez pas, c'est une erreur. Bonjour, là en bas. Ok, on va continuer. Là, on est donc dans le QJ, donc on peut prendre l'échelle là. Et on peut aller à droite aussi. Oh là là, oh purée, ça a l'air d'être compliqué là, mais peut-être pas le prendre en fait. Peut-être trop, si on peut. Donc on a plusieurs possibilités. C'est ça qui est bien dans les point and click, c'est tout qu'on visite. Mais des fois c'est chiant quand les villes sont trop grandes. Au moins ça le mérite d'être clair. Bah oui, mais j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi en fait. Alors casino, ok, on a encore une échelle. Ouais, on va payer tout de suite. On descend. On va retourner à droite. Parce que là, on s'approche du casino. C'est là où il faut aller normalement. Donc on va peut-être pas trop non plus s'avancer. On va aller là, savoir s'il y a un truc. Ok, ici. On a une flèche ici. Qu'est-ce que j'ai manqué? Bon, en fait, je me suis amusé avec le bras du squelette par terre. Ah. Et je m'amusais à faire peur aux gens, je faisais coucou boum comme ça, ah c'est dégueulasse. Et j'ai récupéré la photo du mec qu'ils ont sûrement buté dans la poubelle que le mec a jeté. Ah super, voilà. Et là-dedans. Oh, y a quelqu'un? Oui. Encore. Quelqu'un m'entend-il à part cet horrible monstre? Attends, je te parce que j'ai... Quelqu'un m'entend-il à part cet horrible monstre? Hey, salut, c'est un... X-Live, je sais pas comment ça... X-Alive. X-Live. X-Live. C'est par rapport à mon... comment ça s'appelait à... D'accord, je ne sais pas ce qui m'attend là, mais quand il faut, il faut. Non, j'ai laissé mon cerveau chez moi. D'accord, je ne sais pas ce qui m'attend là, mais quand il faut, il faut. Donc là, on peut pas y aller, donc. Donc, Tu me dis hein, quand tu... Est-ce qu'on peut y aller là ou pas tout non, de suite? Non, pas tout de suite. Ouais, c'est surtout ça, parce que j'ai pas envie de rester 10 ans à faire tous les objets sur l'endroit pour me dire non. Non, non, non. Ouais, c'est pareil, alors. Si tu aimes bien faire peur aux gens, tu peux déjà faire peur aux fleuristes. Ah, on va. Allez, on monte. X-Hey Live. X-Live, je sais pas comment ça s'appelle. X-Live. Donc on va galérer à peu près 6 heures hein, sur le... C'est normal. 6 heures? 7 heures. 7 heures? Bah, sur ça. Allez, alors là, on a le choix du casino ou de monter encore. Alors, je vais péter le casino. Je dois trouver un moyen de grimer ce joli minois avant de me promener dans la rue. Ok, bon, ben d'accord. Mais attends, j'ai pas... J'ai rien sur moi? Non. Je pensais mettre la photo sur ma tête, comme ça. Je serais déguisé. Je recouvre pas un casino, c'est un truc... On va jouer à Payday avec le masque. Oh, oh yeah! Oh, ils sont beaux! Oh, ils sont magnifiques! Johnny Bones ne prend pas n'importe qui dans son show. Non. C'est un honneur d'être autorisé à porter le maquillage de Johnny Bones. Oui. Un privilège. Oui. Alors, je lui ai dit qu'il me fallait 10%, sinon j'allais signer un contrat ailleurs. T'as dit ça? Ouais, j'étais comme fou, tu vois. Mais attends, la meilleure c'est... Et ensuite? Est-ce qu'on a vendu un noir Grim Fandango? Mais... Je ne vois aucun endroit où servir le café. Je sais pas combien il coûte en version café, c'est 25 euros, non? Ou plus? Ah, il coûte 20 euros, Grim Fandango. Ah, 20 euros, ok. Ben voilà. Je suis sûr qu'on peut faire un truc dans le café. Ah, ben c'est sûr. Je sais pas si c'est ce qu'il faut. Un attaché de presse, c'est pas trop tôt. Et gamin, tu te laisses aller et c'est tout bon. Dac? Je le sais. Donc on va mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur nous? Donc 20 euros sur Steam, 13 euros sur GOG.com et je crois que c'est tout. Ouais, il y a des soucis sur PS3 et, oh oui. Et ou PS4, je sais plus lequel en fait. Mais je suppose. Voilà, et il est un peu moins cher, je pense. Donc sur nous, on a donc il met ça dans, on a ça. Est-ce qu'on met ça dans le café? Essaye, mais. Mais non, mais ça va le glacer le café. Donc on fera qu'un café glacé, c'est pas mal, non? Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je ne vais pas la gaspiller. Ensuite. Et la main, bon, on va trop fouiller. Oui, une main dans le café. On va, mais... voilà, on va faire. Je trouve que ce serait un manque de respect. C'est un peu sympa, quoi. Voilà. Ok, alors on peut aller là. Ah, une échelle, ok. On peut aller là. On peut retourner là, mais non. Alors, on a le choix. Alors, soit on rentre dans la petite case là, soit on monte l'échelle. Viens, on rentre dans la petite case d'abord, ensuite on va voir l'échelle. Bien sûr. Dès que j'aurai assez économisé pour un billet de première, je me taille d'ici. Quoi?
Mais on ne peut pas acheter un billet. Eh bien, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît... Hector Le Mans. Quoi ? T'en connais du monde ? Trop dur. Eh, déguerpissez de cette loge. Alors, les bonnes apparts sont au complet. Les bonnes apparts. Le groupe s'appelle Les Bonnes Apparts. Le jeu de mots en français et aussi avec des words apart, les deux. Mais... C'était de l'époque, hein, c'est... Ouais, qu'est-ce que tu... sorti quand 99, je crois. 99, oui, c'est 2000. Ça. Oh, mais ils ont fait beaucoup... J'aime beaucoup quand ils ont fait sur la version française, quoi. Prochaine. Pareil pour le Capitaine Haddock, alors que c'est la voix de Glottis. Enfin, c'est des choses qui sont pas dans la VO. Ok, et je suis bon. Mais je dis, il y a un truc à faire avec le... Quand on peut leur balancer un truc sur la gueule, c'est pas plus mal, quoi. Cette machine à neige est énorme, mais le concasseur s'active manuellement. Ah ah, c'est un broyeur manuel. On a un broyeur. Un vrai amateur. Ok, alors on va essayer de le prendre. Trop dur. On peut redescendre avec ça. Bien sûr. On se demande ce qu'on va en faire. Du café. Ah, je vois que ça. Je le sais. Hein ? Mais... Il a fait quoi en fait là ? J'arrive pas à comprendre. Aucune idée. Là il active. Hein. Oh je m'amuse ! Ah bah attends. Hey, on va les broyer. Dis-toi, mec. Pas d'autographe. Ouais. On peut ranger sur nous ? Ah on peut ranger sur nous, attends. Un vrai amateur ? Oui. Je ne vois aucun, c'est un peu trop chaud pour mes poches. Merci. Ouais, ça peut être pas mal. Super. Alors, l'accent. Yeah, bah oui. Ce café est déjà moulu. Ok. Ce café est déjà moulu. Mais je m'en fous. Et si on essayait de rentrer dans la loge avec... Avec le café. Ouais. Oh, du café. Ah non. Putain. Gratteur de café, oh. Oh mais sérieux, allez vous acheter du café vous-même là. C'est pas trop tôt. Et ensuite. Oh, du café, merci. Mais c'est comment me faire sortir quand même. Oh, du café. Putain. Peut-être qu'on peut les tuer à force de leur donner du café. Un peu trop chaud pour mes poches. Merci. Putain, on peut pas. Je ne vois aucun endroit où servir le mec qui met des trucs improbables dans ses poches, il peut pas mettre du café. Non, une fois même, il a mis un corps entier. Oui. Non, faut pas déconner. Non, je sais pas s'il a fait un corps. Pose-le, ce café. Regarde ce qu'il y a dans ton concasseur. Bah, j'aimerais bien. Je mets le bras dans le concasseur. Merci. Le bras dans le concasseur. Je suis obligé de le poser là, en fait. Donc, il y a un truc à faire. Attends. Oh oui. Là, il y a bien un truc à faire là. Sur ça. Attends, et si on ouvre le truc. Pas non, pas ça. Faire. Je voulais examiner le truc, mais c'est vrai que le bras, ça peut être... C'est un broyeur manuel. Café avec la vieille tasse. Laquelle de vieille tasse? Je crois qu'on l'a plus, la vieille tasse. Non, on l'a plus. Je dirais qu'on peut broyer le ouais, bras. On va tenter. Faudrait remettre le concasseur sur ça. Attends, juste si je prends juste le bras. Pas vraiment utile sans le broyeur. Voilà, tu vois. Ok, on va reprendre notre truc. Ensuite, on prend le bras. Normalement, je peux faire un cran en arrière, je l'aurais eu. Ok, c'est bien ça. Je suis sûr qu'il serait fier de savoir que son corps sert ainsi la cause. On peut activer. J'adore la logique de ce jeu. Oui. Ok, pour l'instant ça sert à rien. C'est, ça tombe pas dans le café, non. Ah, peut-être qu'on peut utiliser la tasse alors. Une tasse ou ça? La tasse. D'accord, mais c'est plein. Attends, c'est quoi ça? Merde. Attends. Non, mais je peux plus récupérer de toute façon maintenant. Enfin, peut-être qu'on peut récupérer d'abord le bras, je sais pas. Mais si, je peux pas. Je fais ça. Ok, il peut. Et là ? On n'aboutirait qu'à de gros blocs de neige tombant par terre. Ça ne ferait pas un joli décor de fête. Pas vraiment utile sans bon, le broyeur. On a fait ça. Je sais pas si... On va sur la scène, peut-être. Où ça ?
sur la scène. On peut pas y aller. Ah mais non, c'est... Attends. Je crois que les artistes le préfèrent noir. Hey, tire-toi, mec. Pas d'autographe. Vous voulez un bras? Vous voulez un bras? Déguerpissez de cette loge. Les bonnes parts sont au complet. Ah! Ah! Intéressant. Putain, on va leur cracher dessus. Les globes, ce jeu. Bah, par contre, là, ce qu'il faut faire. Je pense qu'on n'a pas assez d'objets, peut-être plus tard. Tu te souviens pas, toi, ce qu'il faut faire, non? Pas vraiment, non, je me souviens d'autre chose, mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Regarde les trucs qui pendent là. Merde, je vais cliquer ça pour eux. Trucs qui pendent, c'est dégueulasse ce que tu dis. Hey! Non, c'est bon pour l'instant, non, je pense qu'on peut. On va se barre pour l'instant. Ouais. Ça nous servira à autre chose, mais cool. En fait, faut qu'on se déguise en fait, donc il faut être pris dans les bonnes apparts ou je sais pas quoi là. Exact. Dans ce cas là, il faut faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je peux pas y aller. Là déjà, il faudrait que je t'occupe du jardinier en premier lieu. Même, je sais pas où il est. Mais l'oiseau sait où il est. Ce qui transmet les messages, là où il y a le mort, il les transmet à l'agent infiltré. Ah oui. Mais bon. On peut lui parler à Glottis. Y a des messages pour moi? Non, mais tu continues de recevoir ton catalogue. C'est Eva, l'ex-secrétaire de mon ex-patron. Pourquoi tu remets toujours mon passé de secrétaire sur le tapis? Il faut faire quoi? Tu veux que je te le dise? Ouais, bah oui, parce que je donne le mot menaçant au pigeon. Ah. En fait, le jardinier va le prendre pour lui. Ah, mais d'accord, bah... il va penser qu'Artholo... Non, ne mord pas, prends ce message. Le tuer. Il aime les messages. Et va flipper sa mère. Depuis le début, je pouvais le faire, en fait. Mm-hmm. J'en ai déjà. C'est bon, non? J'en ai déjà. Pourquoi il y va pas? Ces pigeons portent maintenant le terrible message d'Hector. Putain, faut le faire partir. Ouais. Ah, montre-lui la photo. Ouais. Bon, y a rien là-dedans. Bon, le petit! Pour la révolution! Ça, il va aller voir le mort. Et du coup, le jardinier va le prendre pour lui. Ok, bah depuis le début, je pouvais faire ça, en fait. Mm-hmm. C'est assez flippant quand même, comme. Et en plus, il va penser que c'est un oiseau d'Hector Le Monde, du coup. Il a fait exprès l'oiseau ou pas fait exprès lui? Un des messagers oui, d'Hector? Il mange tous les. Avec un message pour moi? Je sais ce que tu manigances, tu m'as trahi. Je viendrai te germer moi-même. Amitié, Hector. Je le savais. J'ai toujours su qu'il viendrait me faire les os. Et pourtant, c'est pas le cas. Tu ne trouveras jamais mon repère secret, Hector. Il te faudra chercher une autre fleuriste. Ah, bah oui, il fait tomber des trucs! Il va pas le ramasser! Si. Ah, c'est merde. J'aurais tenté. Non, mais justement, tu peux le retrouver grâce à ça. Mmh. Parce qu'il a une bouteille percée. Bon, bah on a plus rien à faire là alors. Non. Ouais. Avant de. Naturellement, il va sur le. Non. Non. Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Donne-moi ça! C'est du Grim Fandango. C'est. Ouais. Ça se mais je ne dis pas que LucasArts est quand même bien, ouais. Bien allumé. Hein. J'ai vu Bosley descendre, mais où est-il passé? Surtout la logique, à un moment, c'est. Surtout à cette année-là, il faut s'accrocher, quoi. Ouais, j'imagine. Mais là, en fait. Donc il est là par là. Pense-les probablement dans ce labyrinthe. Je ne le trouverai qu'avec l'aide de quelque chose, disons, qui aide vraiment. Ce qui vient avec ce jeu, c'est qu'il donne des indices, quoi, vraiment. Pas tout le temps. Ah, mais avec ça, regarde, ma foi. C'est pourquoi? Bah, parce qu'elle va redémêler les traces par terre. Mais non, parce que c'est un bras.
Et donc ça va germiner. Il a fait tomber un truc de germination. Donc ça va fleurir là où il... Si on met de l'os. En fait, il faut en mettre de partout. C'est logique. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse avancer en ayant ça, en fait. C'est sympa qu'on puisse avancer. Reviens vers la... Peut-être au début. Les débris d'os se mettent à germer au contact du liquide et se transforment en myosotis. J'aime la logique de ce jeu. Donc aucun en a, là. Ok, on peut avancer. Allez, si on va vers là. Je vais essayer de partout. Là, on est obligé de faire le premier coup en haut. Non, regarde, mais tu l'as fait là, c'est bon, ça a germé, donc ben, on continue d'avancer. Voilà. Là, t'as bien. Il y a un endroit où j'ai manqué là. Ah, ici. Ok. Donc il a fait. Il est passé là, là. Et là. Il est là. Oh, attends. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu de fou. C'est Grim Fandango. Mon prophète des cas, c'est Monkey Island. Ben, ah, oui. Les Monkey Island, ouais, sont très très bien. Sauf le 4, il m'a dégoûté. Ouais, j'ai un concert de. Ça arrive. Putain, la 3D, je sais pas ce qu'ils ont eu. Ah, justement, Grim Fandango, c'est un des rares jeux 3D de Quantum Dream. Je trouve vraiment merveilleux. Vraiment très bien utilisé. Mais Monkey Island 4. Ben, il c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que. Si, c'est qu'il est assez mauvais en fait. Ah, on sait que c'est là, là. Bon, je voilà. Pense que je pourrais suivre un jour, je jouais avec des abonnés, c'est déjà fait, j'ai déjà fait sur le jeu Smite. Mais c'est quoi, ça? D'accord, d'abord, d'ailleurs... C'est quoi, le repère du fleuriste? Non, pas ça. La chose qu'il y a vers nous. Ah! C'est quoi, cette bouche des bizarres? Ah? Si tu montes le... Ouais, il recule. Peut-être tu devrais monter le tu sais, monte le oui. La voiture. C'est ça? Quoi ça? Ouais. Oh, regarde en avant-terre. Là il me coince. Ah, il y a des trucs sur les côtés là aussi. Ah, ils sont... ok. Oui, j'y vais, mais j'hésite pas là, dommage. Mais tu pourras toujours être là. Le cas, je le trouve bien, ouais, mais après, ça dépend quand quel point. Après, subjectif, ouais, mais comparé aux trois premiers, il manquait un peu. Enfin, il y avait un esprit qui était un peu perdu, je trouve. Et j'ai moins accroché personnellement, mais après, c'est subjectif. Il est pas mal fait, mais. Ouais. Attends. Je crois que mon préféré de Monkey Island, c'était le 3, vraiment, il était... Ok, je suis raté. Attends, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ah, mais je peux le faire de loin? Attends... Oui. Pauvre Glottis. Ah, baisse. Je peux pas, remonte, regarde, il a sa queue. Enfin, ouais, il a sa queue, quoi, qui est sous la voiture. Il est où? Non! C'est ce que je voulais prendre, trou du cul! Si. Maintenant, on fait quoi? On y va à pied? Oui, mais maintenant tu peux descendre. Il s'est bougé, tiré. Ok. Au revoir. Ça, c'est beau. Non. Non. Il veut pas. Floriste. Hector. Hector, c'est bien toi. N'approche pas, mon gars. Tu sais, j'ai pas le moral en ce moment. Ouais. Je me sens. Je crois que je ferais mieux. Écoute, Bosley, je ne te veux aucun mal. Écoute, Bosley, je ne veux que ton mal. Hector, c'est bien toi. N'approche pas, mon gars. Je refuse de toucher un seul de ces restes humains. Je refuse de toucher un seul de ces restes humains. Les humains ne sont pas en reste. C'est fermé. Les sachets sont hermétiques. Fraîcheur garantie. C'est quoi ça? Que fais-tu? Serais-tu devenu fou? Arrière! Mets les mains sur la tête, mets la tête dans les mains, mets la tête dans les genoux!
Tu sais, j'ai pas le moral en ce moment. Sans la faux. Cherche la faux. Je me sens. Je crois que je ferai mieux. Je veux que les choses changent ici. Où est mon gars? Il faut récupérer quoi? Tu crois peut-être que tu vas m'avoir? J'adore les plantes. Où est le problème? Ah, ma faute. J'aime tenir là où jadis battait mon cœur. Pour vous, les plantes alors, signifient la mort. Mais flippé quand même ce coup. Attends, les plantes, c'est la vie. C'est vous qui êtes mort. Oh, est-ce que je vais m'en foirer ou pas? Si les gens étaient des plantes, ce monde serait enfin vivable. Je peux tous vous transformer en plantes. J'ai assez de sève ici pour faire de ce monde une jungle. Il parle pas de... Moi je m'en fous. C'est bien l'intention. C'est bien l'intention. Attends, on va fermer ça. Je n'ai jamais rien dit de tel. C'est fermé. Les sachets sont hermétiques. Je ne prends pas ça. Ose me parler comme ça. Je ne prends pas ça. Comment puis-je faire pour que tu me prennes au sérieux? Comment faire pour... Ce n'est pas Hector. C'est Manny Calavera. Ce n'est pas Hector. C'est Manny Calavera qui va te germer. Écoute, il me faut une arme pour éliminer Hector. Écoute, il me faut une arme. Hector, les affaires d'abord. Écoute, j'ai vraiment... Ah, okay. Je crois que je ferai mieux. Je veux que les choses changent ici. Ouais, écoute, j'ai vraiment... Ouais, mon gars. Bon, je vais lui faire. Tu crois peut-être que tu vas m'avoir? J'adore les plantes. Où est le problème? C'est je bon, refuse les de toucher un seul de ces restes humains. Pour vous, les plantes signifient la mort. Les plantes, c'est la vie. C'est vous qui êtes mort. Je veux glacer. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je ne vais pas la gaspiller. Si les gens étaient des plantes, ce monde serait enfin vivable. C'est pas une façon de traiter un agent de la plante. Voilà, par contre, ça commence à me... Je peux regarder. J'ai assez de sève ici pour faire de ce monde une jungle. C'est bien l'intention. C'est bien l'intention. À en juger par l'étiquette, ces caisses sont pleines de germinaflore. Oui, de très bons produits. Pas de ce mélange de fougère à action lente que j'ai laissé pour Hector. Fougère farcie. Fougère farcie, ouais, fougère par là. Tu crois peut-être que tu vas m'avoir? J'adore les plantes. Où est le problème? C'est bon, une plante. Pour vous, les plantes signifient la mort. Je ne veux pas abîmer ma lame. Ouais, c'est un peu chiant là, c'est la vie. Le café, on a rien de spécial. C'est vous qui êtes mort. J'aime bien au aussi moins, les renouer. Il a mis quelques cadavres frais. J'ai beaucoup aimé le 1 et le 2 avec les extraterrestres et tout. Pareil, je l'ai terminé. Tu crois peut-être que tu vas m'avoir. m'a beaucoup déçu quoi. Le problème. Une super histoire et tout, et qu'il est parti dans tous les sens, qu'il en c'est peu, bon, une plante. Qu'il en peu foiré quoi. Après, j'ai vu une décoration qui devait être aussi morbide. Pareil, il avait l'air bien. J'ai refusé. À un moment, je trouve que c'est un peu un revival quoi des jeux vidéo, des jeux d'aventure. Le problème. J'étais assez emballé là, il est vraiment magnifique. Je refuse de toucher un seul de ces restes humains. C'est une plante. Je n'ai jamais vu une décoration de fenêtre aussi vous, morbide. Pour les plantes signifient la mort. Les on dirait plantes, un c'est rouleau d'adhésif fixé au mur. Trop loin. Fixé au mur. J'avais pas vu. Oui, en plus il le dit, hein. Ouais, c'est non, il bon, est en pleine parano là, il est en train de flipper pour sa mère. Pour vous, les plantes signifient la mort. Mais voilà. Putain, alors on est coincé alors que c'est sous nos yeux. Ah hey. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore! Sors d'ici à l'instant où tu me goûteras de celui-là! D'accord. Maintenant tu rentres. Putain, y'a quelque chose de plus intelligent à faire. Hé, hey, toi, les tranchées, je peux t'aider? Je cherche quelque chose en 9 mm. Oh, j'ai un très beau bouquet ici, juste ce qu'il te faut. C'est juste qu'il fallait faire en fait, putain. Et voilà, peut-être aimerais-tu que j'ajoute un peu de myosotis. Et comment? C'est tout bon, voilà. C'est quoi du myosotis? Et tu souhaites une excellente journée. C'est une fleur le myosotis, non?